Merci les amis, et place à la musique ce soir. En apéritif, voici nos trois jeunes talents, les Quack Street Boys. Hey Mickey, on dirait que tes Quack Street Boys viennent de changer d'adresse. Où sont Riri, Fifi et Loulou? Le spectacle repose sur eux, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, calme-toi Mickey. Horace, envoie un film sur le... Vous tenez à venir même si Riri, Fifi et Loulou ne sont pas là? Alors c'est oui, c'est non? Enfin c'est oui ou c'est non? C'est encore le dragon indécis. Pendant que nous essayons de retrouver les Quack Street Boys, voici un peu d'ambiance rock'n'roll. Comment devenir une star du rock? Hé, vous là! Vous qui pleurez! Et vous! Qui, moi? Oui, vous. Qu'y a-t-il? Pourquoi êtes-vous si triste? Je suis tout seul. Je n'ai pas d'amis. Eh bien, pourquoi ne pas vous en faire? Oh? Oh, ça, c'est absolument impossible. Ce n'est pas impossible. Quand on est une star du rock! Comment devenir une star du rock? Pour commencer, la chose la plus importante pour devenir une star du rock... Je sais, c'est la musique! Non. Non, attendez... Stop! Comme je le disais, la chose la plus importante pour devenir une star du rock, c'est... l'image. Je ne connais pas cet instrument. Les cheveux de la star du rock. Les cheveux d'une star du rock doivent être ridiculement longs. Hé, hey, c'est trop long, qui c'est le fautif? C'est fautif et t'es coupable. Oh, elle est bonne. La tenue de la star du rock. Une tenue d'étoile. Tatouages et les bijoux. Un bon moyen de se faire une place dans la musique, c'est de se couvrir le corps de tatouages décoratifs. J'ai des cheveux rock. Ma musique dégage. Si je perds mon pantalon en dansant, tu vas voir mon caleçon. Et maintenant, les bijoux. Ça, c'est tendance. Et bien sûr, une star du rock se doit d'être à la pointe de la mode. Passons à la musique. Une star du rock se doit d'être un musicien accompli. Un musicien accompli? Je le suis. De l'autre côté. Non, la guitare de l'autre côté. Hein? Et maintenant, vous. Oh? Est-ce que vous avez d'autres instruments? Les chansons. Une vraie star du rock est un poète et insiste pour écrire ses propres chansons. Des chansons qui révéleront ses sentiments les plus profonds à ses fans. Qu'est-ce qui rime avec roudoudou? Difficile, hein? Ouais, je trouve rien. Commencez avec quelque chose de simple. Que voyez-vous autour de vous et que ressentez-vous? Regardez ça, un écureuil. Écureuil, écureuil, roi, roi, roi. Écureuil, écureuil, roi, roi, roi. Assis sur la branche. Oui, c'est... Dans un acacia. Oui, merci. Le dina. Ça suffit. Dans un acacia. J'ai dit ça suffit. Se faire connaître. Maintenant que vous êtes fin prêt, il vous reste qu'à être découvert par un producteur de disques. Bonjour, monsieur le producteur.
Oh, mais qu'entends-je? Quel organe! Signez ce contrat, vous serez une star du rock! Écureuil, 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 écureuil! Nouvelle musicale, un producteur licencié. Le label Dingo fait faillite. Oh, courage, mon vieux. Au moins, on n'est pas tout seul. Hein? Des fans de cheveux courts. Elle est bonne. Comment? Oh oui! Vous êtes sûr? Oh, merci pour le scoop! Je ne le dirai à personne! Clarabelle, je pense que tu dois savoir ce qui est arrivé à Riri, Fifi et Loulou! Oh, tu n'es pas au courant? Eh bien, ils étaient en train de faire des photos pour Salut les canards! On vous a mis un loup d'enfer, les gars! Merci! On va en faire une avec le leader au milieu! Le leader? C'est moi! Ah oui! C'est moi, le leader! Non! C'est moi! Ah oui? Eh bien, je quitte le groupe! Riri, Fifi et Loulou se séparent! Et voilà pourquoi ils se sont séparés! Il n'y a plus de groupe! Il n'y a plus de groupe? Il faut ramener ces garçons à la raison! Sinon, la soirée musique est fichue! Oh, je crois que les Quack Street Boys sont dans une impasse. Oh, c'est un peu normal. On aurait fait la même chose si on était un groupe. Dingo, faisons ça. Tu veux qu'on se sépare? Oh, non, le groupe, ce sera nous. D'accord, mais alors c'est moi le leader. Le public va tout casser. T'en fais pas, Minnie, j'ai un plan. Vous aurez les Quack Street Boys dans un instant. Mais d'abord, un peu de sport. Agilité, courage et une assurance médicale tout risque, des qualités que l'on ne trouve que chez le sportif de l'extrême. Et voici le parfait exemple d'un homme de cette trempe, le roller agressif sur rampe. Oh, c'est tout moi. Mais avant de s'élancer, le professionnel doit s'équiper des protections adéquates. Casque, genouillère, coudière, épaulière, souricière, canonnière, feuille de lierre, ventre à terre et vive l'Angleterre. Oh, 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 c'est l'heure de Londres. Garde à vous. Oups. À présent, protégé de la tête aux pieds, place au roller agressif. Geronimo. Il gagne de la vitesse en effectuant plusieurs allers-retours. Et voici la première figure, le 13 à la douzaine. Le doublé. Égyptien. La danse du ventre. Le surfeur sur Internet. La pieuvre par neuf. Et le cowboy à lasso sur son lasso. Waouh! Waouh! Ainsi se terminent aujourd'hui les aventures de Dingo Olympique. Maman, je peux descendre. Tous en boîte et fiers de vous présenter les Quack Street Boys.
cette musique est vraiment trop dure pour mes petits tempos. Cette musique est aussi nulle que ton parfum. Ils sont à nouveau ensemble, mais les Quack Street Boys vont se retrouver sur le pavé. C'est écœurant. On va se faire griller. Ils sont en train de salir notre nom. Parfait, les amis. Maintenant, l'apothéose. Faites comme moi. L'attraction la plus rapide, effrayante, tournoyante, acrobatique, vertigineuse, nauséabonde et vomitive de tous les temps. Oh, chouette, la Roquette Rock! Il faut à tout prix qu'on l'essaye! En avant! Je suis sûre que ça va être génial! Fantastique! À vos marques! On veut aller sur la roquette. Non, faut que la place soit petite pour ce chacun de l'action. Si on vous voit, on va me voir dire tout de suite. Je suis sûre qu'on est assez grand. Oui. C'est qu'un bégard, 5 fois plus passé de passe. Ah!
N'importe quoi. Capote, je vous promets. On veut retourner dans la fusée. Quoi? Vous êtes vivant? Tu es chop. Je suis à J'ai la joie de vous annoncer que Riri, Fifi et Loulou sont à nouveau ensemble et qu'ils le resteront toujours. Et pour vous, ils vont jouer un dernier morceau. Et c'est parti. D'accord, on démarre à 4. Non, à 3. Et c'est moi qui décide de ça. On démarre toujours à 3. Mike, t'aurais pas un final spécial musique? Mais j'en ai un, Mickey. La musique de cette soirée de la musique nous a été proposée par Musicland. Un grand choix pour toutes vos mélodies, harmonie et cacophonie. Vous avez un coup de blues? Retrouvez la bonne cadence au pays de la symphonie. Vous retrouverez le bon rythme en deux temps, trois mouvements. Doucement les basses, rien n'est grave dans l'île du jazz qui rechargera vos batteries avec de la joie à la clé. Ne manquez pas en soirée notre duel d'orchestre. Entrez dans la danse, restez dans la note en visitant Musicland. Tous les arrangements sont possibles. Au revoir les amis et à très bientôt.